Bonjour les frères et sœurs, comment allez-vous? Si vous allez bien, Dieu soit loué. Si votre famille se porte en merveille, gloire à Dieu. Si vous avez passé de mauvais moments de bonne journée, ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, nous allons vous donner la clé. Quelque chose qui va vous aider à bien préparer le prochain jour. Nous sommes en guerre sur la terre. En guerre contre les gens à qui on n'a rien fait. De cette situation, il faut être bien préparé. Comment être bien préparé? Chez nous, on dit qu'il faut lire la parole de Dieu pour avoir la connaissance qu'il nous faut pour renverser tous les plans de Satan, notre ennemi. Satan, c'est le patron de tous nos ennemis et nous avons besoin de renverser ses œuvres et la prière va venir. Et dans cette vidéo, nous avons envie d'insister sur la puissance de la prière, la force car la prière, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi mon frère, toi ma soeur, si tu ne pries pas, tu es un chrétien faible, tu es une chrétienne faible. Ça veut dire que quand tu vas prier, tu vas avoir quelque chose, une chose qui va permettre même à Dieu de bien travailler dans ta vie. Ok, tu vas comprendre ça, tu vas comprendre tout de suite. Regarde ici. Voyez-vous, nous voyons ici une famille, une très bonne et belle famille. Et cette famille-là est joviale. Il y a la joie là-bas, il y a la paix. Vous-même, vous avez envie de dire, ah si, seulement si, je pouvais aussi me joindre à eux. Parce que ça, c'est une famille dans laquelle nous tous nous aimerons être. Et regardez encore ça. Comme vous le voyez, c'est normal. Le souhait de Dieu pour nous, ce que nous vivons heureux. Regardez comment il y a la joie chez eux. Et tout le monde se porte en merveille là-bas. Et ça, ça fait plaisir. C'est une très belle image. Quelque chose de vraiment très beau. Mais regardez vous-même encore. Comme vous venez de voir, ou vous le voyez même, c'est la joie là-bas. C'est une très bonne famille. Et ça, c'est extraordinaire. Vous devez savoir que quand il y a la joie comme ça dans une famille, le monde des ténèbres n'apprécie pas cela. Et eux, ils feront tout ce qu'il est possible pour pouvoir faire disparaître cette joie-là. Cette joie-là que vous êtes même en train de voir là. Et vous allez voir que comme certaines personnes savent déjà que nous sommes dans les problèmes de faire sur la terre, ces personnes vont donc décider d'enseigner aux enfants déjà comment il faut prier. Vous voyez que le père, il est juste là en train d'apprendre à son enfant comment il faut prier. Quand tu apprends cette histoire, tu apprends à ton enfant à prier, ce qui se passe, c'est que tu es en train d'armer spirituellement l'enfant de ce que l'enfant arrive à se défendre face aux démons qui vont venir. Vous allez comprendre. Et regardez comment c'est joli, c'est une très belle image. On voit le père qui est là et son enfant qui apprécie, qui est vraiment dans la joie parce que c'est un moment spécial que l'enfant ne va jamais oublier, même si l'enfant grandit et a 50 ans. Regardez comme c'est beau. Ça l'est, ça reste un jeu. Quand quelqu'un prie, ceux qui ne savent pas l'importance de la prière ou la force de la prière, ils verront cela comme un jeu, un truc comme un amusement, mais en réalité il y a quelque chose. Et vous allez voir, la fille elle a juste grandi un peu, regardez la taille où elle était ici, elle était juste là ici, un bébé, elle a grandi une enfant et elle a gardé cette chose que ses parents lui ont donné, la force et la puissance de la prière. Ah, quand j'étais enfant, papa m'apprenait toujours à prier. Parce qu'il a dit que quand je prie, c'est loin de moi tout le mauvais esprit et le grand Dieu qui se trouve dans le ciel, lui, il me protège. Et regardez comment l'enfant continue à toujours prier. Et elle cherche à entrer en contact avec le Dieu
très haut, d'où lui viendra son secours. Et quand au fur et à mesure qu'elle prie, Dieu vient à son secours, Dieu la protège et Dieu envoie son ange pour la garder, la protéger, même la consoler dans les situations terribles qu'elle aura, qu'elle traverse. Dieu est là, il sera toujours là pour la garder. Contre qui? Contre le mauvais esprit ou des gens possédés. Regardez ça. Comme vous le voyez, cette personne avec un ici est possédée par les démons. Regardez même ses yeux. On a l'impression même qu'il y a même des cornes juste là même derrière. Regardez comme cette personne est dans le feu. Que pouvez-vous dire de cette personne? Vous pouvez tout simplement dire que cette personne est en colère. Elle est en colère. C'est une colère que vous ne pouvez pas contenir. Regardez même sa main. On montre comme s'il y avait le feu. C'est le feu de sa colère. Et cette personne est habitée par le démon ou par le diable. Et le diable veut détruire la vie des gens. Il ne cherche pas à savoir si vous êtes innocent ou pas. Il veut détruire la vie des gens. Et ces gens sont bien armés. Ils sont aussi armés. Regardez ça. Ce sont des démons géants qui sont là, bien parmi nous. Et ils sont armés. Est-ce que vous voyez? Ça peut vous paraître étrange, mais c'est réel. Ils sont armés. Et ces gens-là, ils veulent détruire les humains. Avant, ils étaient des anges. Des anges qui sont devenus des anges déchus. Et ils veulent verser leur colère là sur nous, les humains. Mes frères et sœurs, pour être préparés contre eux, il ne faut pas aller les attaquer avec une force physique. Même si vous avez une forme convenable pour pouvoir les combattre, eux, ce sont les démons. C'est-à-dire que physiquement, vous ne pouvez pas les voir. On peut les voir uniquement qu'avec les yeux spirituels. C'est-à-dire que ceux qui ont pu représenter ces démons-là, eux, ils ont juste représenté ce qu'ils ont vu avec les yeux spirituels. C'est exactement ça. Et voici comment ces démons-là sont armés contre les chrétiens. Mais vous, vous devez prier. Demeurez dans la prière. Et la protection de Dieu sera sur vous. Sur vous, c'est pourquoi nous prions, même les deux vidéos que c'est un témoin puissant, vous apprennent que ce genre de choses que nous sommes même en train de nous révéler qu'ils existent. Il y a des agents du diable, des agents de Satan, qui sont même en train de travailler contre les gens ici. Vous n'imaginerez pas. Vous ne pouvez imaginer ce qui se passe dans le monde de ténèbres contre vous. Vous ne savez pas comment Dieu vous protège. Je pense que la première chose, des choses que vous devez faire, c'est dire merci Seigneur Jésus-Christ parce que tu me protèges, merci mon Dieu parce que tu me protèges, parce que tu es avec moi. Ah, tu protèges mon enfant. Toi papa quand tu t'endors, maman quand tu t'endors, est-ce que tu sais ce qui se passe avec ton bébé qui est couché dans son berceau? Dieu travaille pour nous et nous devons prier que Dieu puisse bien travailler. Regardez ça. Les anges de Dieu sont puissants. Eux aussi sont bien armés. Ils sont armés d'une puissance terrible que le démon que vous voyez là n'a pas. Parce que lui, il est animé par la chose mauvaise. C'est comme la ténèbre et la lumière. Quand vous êtes dans une chambre, elle est noire. Elle est même noire comme ça. Mais quand vous allumez la lumière, les ténèbres disparaissent. C'est exactement la force que représente Dieu, l'Esprit de Dieu. Et les anges de Dieu qui sont prêts à nous protéger. Regardez encore. Quand vous voyez, au fur et à mesure que cet enfant demeure dans la prière, elle, spirituellement parlant, elle est présentée comme une personne qui est avec, qui a des anges, qui est dans la gloire de Dieu, qui a des ailes d'anges, qui est dans la gloire de Dieu tout très haut, okay? Tout puissant. Et elle se dirige chaque jour vers son Dieu. Mais l'ennemi ne va pas se laisser faire. Il essaiera de venir se dévier cet enfant ou cette personne du chemin de Dieu. Pour cela, l'ennemi va décider de se déguiser en ange de lumière ou même en autre chose. Ou un lion. On nous dit que le lion il rôde. Le diable il rôde comme un lion.
chercher qui il devra. C'est-à-dire que cet enfant est là, cette personne est là, et derrière elle, il y a un lion comme ça, qui est affamé, un lion affamé, qui est attendu qu'à côté un lion affamé. Et ce lion cherche à la dévorer, il est même chaud. Regardez même sa gueule. Oh, qu'est-ce qu'il va pas, qu'est-ce qu'il y a? Il n'a pas mangé depuis longtemps ou quoi? Et c'est rien. C'est comme ça le diable est représenté. Mes frères et sœurs, c'est le diable. Et ça, c'est ce qui se passe spirituellement parlant. Physiquement, vous voyez un lion ici. Mais spirituellement parlant, le lion là, il est là, autour de vous. Autour de vous. Il marche avec vous, à côté de vous. En fait, vous le voyez déjà. Cette mauvaise voix qu'elle a toujours en train de vous parler, de vous demander de faire les péchés, de faire les mauvaises choses, même quand vous êtes en colère, cette mauvaise voix qui vous demande de manifester votre colère, c'est la voix du démon. Regardez même ce gars ici. Regardez. Voilà. Voici ce qui se passe quand une personne est en colère. Regardez sa main. Là, le démon la possède. Parce que la colère, c'est un grand démon qu'il faut combattre. Il faut combattre la colère. Et comme on vous a dit, c'est le diable qui est là. Et il se cache derrière plein d'images aussi que nous allons vous présenter. Déjà, on nous a dit que c'est le lion. Si vous voyez un lion comme ça, affamé, peut-être que vous aurez peur. Donc, il va se dériter en un agneau. Regardez. Je regarde l'agneau comme ça, ou bien le mouton. Mais derrière, on voit un autre visage. Ah! Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Comment ça se fait? Comment c'est possible? Mes frères et sœurs, c'est pas tout. Regardez ça. On voit une très belle femme. Là maintenant, c'est ce que tu peux voir dans la vraie vie. Dans la vraie vie, tu verras une très belle femme comme ça. Elle est jolie, mais elle est un masque. Ce masque-là nous donne des informations sur elle. Ce masque-là nous donne des informations sur qui elle est exactement. Et le diable, il peut se déguiser en ange de lumière. Même, il peut se déguiser en une très belle femme qui a une langue doucereuse. Quand elle te parle, tu as l'impression que c'est un ange qui te parle. Oh, c'est le démon. Tu peux voir juste ça. Une femme avec des cornes, c'est même ça. Faites très attention. Regardez même encore ça. Vous voyez encore une femme avec des cornes, ça vous dit rien, vous dites que oh, elle est quand même belle. Même si elle avait des cornes, moi je peux faire quelque chose avec elle. Fais attention. C'est le lion. C'est le lion affamé. Si tu n'es plus prêt, tu n'écoutes pas la voix du Saint-Esprit, la voix de ton Dieu qui te parle pour sortir de ce chemin où tu vas vers cette femme prostituée, tu risques de perdre la vie et de te faire dévorer par les lions. Elle est belle physiquement, mais en intérieur, ce qu'à l'intérieur, c'est un lion affamé. Aïe. Sois prudent, stop. Arrête tes œufs bizarres. Sois prudent. Nous sommes en guerre sur la terre. Regardez ça, mec. Tchit. C'est quand même un petit temps. Qui a pu faire tout pareil? Ça, c'est le vrai visage du diable, on dirait. On dit que le diable est très beau. Effectivement, le diable, il est vraiment très beau. Et sur la terre, il n'y a pas un humain qui peut se comparer au diable en beauté. Faut que je vous l'utilise. Mais l'intérieur de lui, c'est autre chose, ce sont les ténèbres. Les ténèbres. Donc vous devez prier. Et votre prière doit être basée sur la connaissance de la parole de Dieu. La connaissance que vous avez sur la parole de Dieu vous aidera à prier de sorte à avoir gain de cause, déjà avoir un résultat favorable. Il faut apprendre à pardonner à son prochain. Que Dieu puisse nous pardonner à notre tour, mais puisse exaucer nos prières, pour que nos prières aient de la force. Parfois aussi, nous avons besoin de prier avec d'autres personnes qui vont nous soutenir dans cette prière. Est-ce que vous voyez? C'est extraordinaire. C'est exactement ce qu'il faut faire. Ça veut dire que nous devons être soutenus. Si vous êtes marié, il ne faudrait pas que votre femme soit à l'écart de votre prière.
et vos enfants, appelez-les. Regardez même ce que ça donne ici. La fille, elle a pris des choses de son père. Elle a continué. Et elle a grandi. Elle a vraiment grandi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que c'est important. Même quand vous traversez des moments difficiles, il faut rentrer dans votre chambre. Rentre dans ta chambre. Prends la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu. C'est la seule chose qui peut t'aider. Dieu peut te conseiller. Quand tu lis beaucoup la parole de Dieu, ça t'ouvre l'esprit et tes oreilles afin que Dieu puisse te parler, te donner des solutions à tout ce que tu recherches. Dans la prière, pendant que tu pries, Dieu puisse des pensées plutôt des idées afin de même résoudre ton problème. Peut-être que ton problème c'est quelque chose. Pendant que tu te prier, tu vas te donner le résultat. Il n'y a pas le temps de faire une vidéo. Nous vous pouvez réciter que nous allons nous décider acheter du matériel. Et le jour qui a suivi, on vous a dit qu'on avait rencontré un problème, quel problème. Avant même que je ne descende le matin, déjà en spirituellement parlant, Dieu m'avait déjà donné la solution à ce problème. Dieu m'a dit exactement ce qui n'allait pas et comment on allait résoudre le problème. Et moi aussi j'ai appelé là-bas pour leur dire que voici le problème qui est là. Je pense que ça pourrait être ça. Alors, faites ce qu'il faut pour régler le problème parce que le problème a été identifié. Je ne vous ai pas dit que c'est Dieu qui m'a révélé cette révélation, cette connaissance du problème et même la solution à ce problème. Mais ce qui est sûr, c'est que ça a marché. Or, j'avais juste. J'étais juste allé loin de la maison pour prier. Et quand je suis revenu, pendant que j'étais juste couché sur ma couche, dès que je finis de lire la parole de Dieu et que je me prends à dormir, c'est là que Dieu a donné la solution. Ça n'a même pas pris un jour, même pas pris deux heures, en une heure, en un lieu de temps, Dieu a cessé ma prière. Vous voyez ça? Et voici un combat. C'est un combat spirituel. Il est écrit ici. Un combat avant tout. Un combat avant tout, mais c'est un combat qui est spirituel. Nous avons un combat contre des esprits. Tu vois une personne qui ne connaît pas, même si tu connais la personne, elle vient te chercher des histoires, des ensembles. C'est vrai que c'est un combat spirituel. Tout ce qui t'arrive physiquement se déroule d'abord en esprit. Et on voit deux personnes qui sont là. On voit ces deux personnes, on voit d'un côté David et de l'autre côté Goliath. Qui va gagner? On voit déjà Goliath qui est en train d'aller de l'autre côté parce que David est en train de gagner en direct. Et derrière David se trouve une armée des gens qui sont juste là derrière en train de le soutenir. Lui, il n'a pas une épée comme ce gars. Il n'a même pas un javelot. Il n'a ni un bouclier. Mais il a juste la prière. La prière, c'est ce qui tient dans la main. C'est cette pierre avec cette chose qui tient dans la main, cette lance-là. Et c'était Dieu aussi qui l'accompagnait. Derrière David se trouvait Dieu et les anges, ainsi que tout le peuple d'Israël. Tandis que derrière Goliath se trouvaient des ennemis. Et ils venaient se battre là. Mais voici le résultat. Un combat chaud. Même plus chaud que chaud. Et c'est dans 1 Samuel 17 qu'on voit clairement ce qui soit arrivé. La parole de Dieu vous allez comprendre ce qui s'est vraiment passé. Mais c'était chaud. Regardez comment le David, comment Goliath était de courir même. Il est même chaud. Il est même plus chaud que chaud. Lui-même, il est chaud. Regardez. Oh, et derrière lui, les armées sont là. Oh! Ils disent que si cet enfant a gagné leur géant, c'est que le combat a déjà gagné. Regardez ça. Et c'est ce combat-là que tu mènes face aux agents du diable. Et face au diable et à ses démons. Dans ce combat, tu ne seras pas seul. Tu as juste quelque chose dans ta main. Il te faut avoir cette chose-là dans la main. Parce que sans cette pierre et cette lance, ce gars, il ne pouvait pas faire quelque chose. Il devait être armé.
Et c'était la parole de Dieu qu'il fallait avec la prière. C'est la parole de Dieu et la prière. Il avait une prière et c'est la seule chose qui se trouve même là de ta main. Il faut avoir l'épée. L'épée, c'est la parole de Dieu. Il faut être prêt. Il faut être prêt. Ne sois pas un chrétien tiède. Ne te dis pas, oh, laisse-moi tranquille. Moi, je ne suis pas intéressé par tout ce qui se passe dans ce monde, au lieu du diable. Moi, je suis un athée, je vis tranquillement avec ma famille. Ce n'est pas parce que tu manges bien, tu manges du poulet, que tu vas penser que tu es libre. Si tu n'as pas Dieu dans ta vie, ce poulet, ce démon chien qu'elle a là, et tu vas venir te dominer, il va venir même prendre le contrôle de ta vie. Regardez même ça. C'est une image terrible. Terrible. C'est ce que nous faisons chaque jour. Un chrétien qui prie, il fait le combat, ce combat de David de Goliath, chaque jour de sa vie, tous les jours. Tous les jours. C'est une guerre. Le Seigneur Jésus-Christ même nous prévient, il nous dit que nous allons porter notre croix chaque jour. Il faut être prêt. Il faut être prêt. Regardez comme ce serait chaud, regardez comme la taille de David et regardez la taille de Goliath. C'est le jour et la nuit. Vous voyez que ce gars-là, il fait deux fois sa taille. Mais que va-t-il se passer? Le résultat est là. Le plus grand est tombé. Celui qui était censé être le plus faible, c'est lui maintenant qui a le plus survécu. Parce qu'il a vaincu. Celui là même qui était le plus grand. Goliath. Regardez. Il boit même de l'eau. C'est quelle histoire? Quelle histoire? Quelle image? Hein? Regardez. Est-ce que vous en rendez compte? Tous les cas, elle est même tombée. Un homme géant comme ça. C'est comme s'il dormait même. C'est comme s'il dormait, regardez très bien. C'est vraiment inquiétant. Et voici comment s'est terminée cette guerre. C'est-à-dire que dans cette guerre qui oppose les chrétiens, comme tu termines cette guerre, nous devons être vainqueurs. C'est pourquoi Dieu nous prévient déjà. Il nous dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Si vous êtes fort au départ et qu'à un moment donné, vous vous déviez du chemin pour aller vers le chemin, vous avez perdu. Dieu doit être toujours dans votre cœur. Et vous devez transporter Dieu partout pour vaincre. On vous a dit, vous devez prier et même apprendre à vos enfants à prier. Parce que dans cette guerre, le diable, il ne cherche pas à savoir quel est l'âge de l'enfant. Pensez-vous qu'une telle créature horrible qui est là sache qui est un enfant, quel est l'âge de l'enfant? Cette créature est en colère. Et le lion, oui, la faim, quelle que soit la taille de l'individu qui va se planter devant lui, il s'en fout. Tout ce qui l'intéresse, c'est son ventre. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Mes frères et sœurs, faites très attention à votre vie. Levez-vous et commencez à prier, même enseigner aux enfants ce qu'il vous faut pour que la joie demeure éternellement dans la famille. Ça, c'est une image vraiment très beau que j'aimerais vraiment transporter partout. Que Dieu bénisse cette famille et la protège et que cette joie se multiplie pour que nous puissions toujours montrer de telles vidéos et faire de telles vidéos de qualité. Que Dieu bénisse ses frères et sœurs, demeurez dans la prière et ne se sortez jamais du vrai chemin. Franchement, le diable, il ressemble à ça. C'est vrai. Mais nous pouvons ressembler à une personne remplie de gloire. Regardez ça. Quand vous priez, vous devenez même comme un ange. Regardez comme c'est beau. Abonnez-vous pour la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse. Vous abonnez sur notre chaîne. Et soyez prêts, tout simplement. Que Dieu bénisse votre soeur. Prenez soin de vous. Waouh, c'est extraordinaire! Mes frères et sœurs, pour ne pas manquer la prochaine vidéo, cliquez sur s'abonner si ce n'est pas encore fait. Et cliquez sur la cloche pour l'activer. Et si vous cliquez sur j'aime, ça nous ferait énormément plaisir. Et tous ceux qui veulent également faire des dons pour nous soutenir,
En dessous de cette vidéo, dans la partie description, se trouve toutes les informations qu'il vous faut pour faire des dons. Nous vous recommandons de faire des dons, gars. Ouais, c'est génial. Waouh. Je suis là.